amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en ce beau lundi, jour de lune, jour de... qu'est-ce qu'on dirait le jour de lune? Pour la féminité, la fécondité, c'est le jour si vous voulez faire un jeûne, et c'est le bon jour pour le faire. Voilà, les moines et les moniales font un jeûne en buvant notamment une infusion de thym et de romarin. Voilà, comment je sais? Parce que j'ai vécu dans un couvent moi-même il y a fort longtemps, quand j'avais 17 ans. Voilà. Alors, d'autre part, on va faire une vidéo aujourd'hui sur la propagande et vous allez voir, ça va pas te piquer des hannetons, où on va retrouver encore tous les mêmes protagonistes, bien sûr. Avec le Gérard, vous savez, celui qui est l'archer du roi, mais vous en comprendrez l'existence après, on est dans une vaste supercherie, ça continue les trucs. Alors, avant cela, je voulais vous présenter, alors je vous présente beaucoup de livres, je le sais les amis, je vous dis pas de tous les acheter, je vous démontre ce que j'ai dans ma bibliothèque et les gens qui ont apporté une influence dans mon travail au cours du temps et de l'espace. Alors, il s'agit d'Antinous Cyranil, ou on l'appelle aussi Oncle Ben, c'est un mage, qui est très connu aussi de Marc Neuf, bien sûr, et de d'autres gens que je vais vous présenter dans les jours à venir. Il s'appelle donc Oncle Ben, il habite près de la Ciotat. Son papa était aussi dans la magie, enfin, il fait partie d'une famille comme la mienne. Et en plus, un spécialiste du houdou. Alors, j'ai pas dit vaudou, hein, j'ai dit houdou, H2O, D2O, et... aussi un super pote à Lady Rhea, dont je vous ai présenté, c'est une grande prêtresse qui est à New York aujourd'hui. Je vous ai présenté le livre récemment, préfacé donc par Marc Neuf. Ça fait partie du petit cercle des vrais, de vrais, de vrais. D'accord, voilà. Alors le premier, c'est le grand livre du houdou. Alors vous le trouverez plus. Alors pour ça, je vous encourage, si vous allez chez les bouquinistes ou si vous allez sur les brocantes ou autre chose, si vous le voyez... n'hésitez pas une seule seconde, édition spiritualité occidentale, donc Oncle Ben, le grand livre du houdou, c'est une autre forme de magie les amis, il n'y en a pas qu'une seule, hein. Il faut choisir, donc vous avez tout à l'intérieur sur le houdou, moi je l'utilise aussi pour certains rituels, par exemple ici, il vous explique en plus les recettes pour les huiles, donc qu'est-ce qu'il faut faire et quoi mettre dedans. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un livre excessivement pratique. J'en ai même trois, j'en ai un autre aussi qui est vraiment très très bien fait. Je vous le montrerai sur Oncle Ben. Donc, les significations, les bougies, à quoi elles correspondent, les chandelles et les lampes, parce qu'il vous apprend aussi à faire des lampes à l'intérieur. Donc, si vous le voyez passer, parce que malheureusement, vous ne le trouverez plus, ou alors à des prix, je vous explique même pas. Donc si vous voulez, il y a des prières à chaque, alors moi par exemple, attendez, je vais vous montrer ici, ici donc nous avons Fortuna, Fortune, Dame Fortune, d'accord, et nous avons l'incantation à Fortuna, d'accord, voilà, la deuxième, c'est toujours d'Antinous Cyranil Oncle Ben, c'est Antinous Cyranil, c'est exactement la même personne, manuel pratique de sorcellerie, grimoire du néophyte, Antinous Cyranil. Voilà, vous avez, tiens, par exemple, ici, l'incantation à Cernunnos, c'est celle que j'utilise, par exemple. Bon, moi, toutes mes incantations, je les connais par cœur, hein, avec le temps, à force de les utiliser. Voilà, c'est un excellent livre quand on démarre, pour les explications. Bon, je vous le montre comme ça. Alors là, je connais ça, d'accord. Voilà, donc c'est un excellent livre, un excellent ouvrage. Donc, le pentagramme de conjuration du grimoire, si vous voulez faire un grimoire et compagnie. Donc, très très bien expliqué. Alors, je ne suis pas sûre que vous le retrouverez. À l'époque, j'avais payé combien, mais je ne sais pas, c'était pas marqué. Bon, alors il n'y a pas de maison d'édition hein, ici, donc on me dit Antinous Cyranil, grimoire du néophyte, ça fait partie des gros trucs à avoir véritablement. Il y en a un que je dois commander encore aussi de Paul Husson. Voilà, ça fait partie pour moi des grands mages pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Voilà. Donc, j'ai pris aujourd'hui donc le Touchstone Tarot, d'accord, de Cat Black. Cat Black, on ne la présente plus. Elle fait d'excellents jeux, c'est une certitude. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, propagande, pourquoi?
société qui a été montée. Alors faites attention les amis dans les commentaires, parce que là on risque de marcher sur des œufs, et on va marcher sur des œufs parce que ça va aller très loin. Une société qui a été montée d'abord en 2010, mais qui a changé beaucoup de fois de nom parce qu'ils ont été accusés de manipulation. D'accord? C'est une société qui s'occupe de la propagande, qui est d'origine française. Alors je vais prendre juste les prénoms, mais vous allez comprendre. Les deux fondateurs se prénomment Mathieu et Arnaud. Mathieu, Valérie, très proche de Valérie, la pète, point, point, as, vous voyez ce que je veux dire, la pécheresse si vous voulez, et Arnaud, très proche de Nicolas Le Nain. Ils ont actuellement 15 filiales à travers le monde et qui fait à peu près 60 millions de chiffres d'affaires par an. C'est une société de conseil en lobbying, en cybersécurité, vous allez comprendre pourquoi tous les protagonistes reviennent sur le tapis, qui s'appelait jusqu'à peu Avisa point point Partners. Elle vient de changer de nom, donc je ne la donnerai pas le nom parce que vous irez faire vos recherches vous-même. Alors, on se rend compte que cette société a manipulé. Alors, il y a eu beaucoup de condamnations, il y a des condamnations en cours, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté le navire et compagnie. Mais où on retrouve une certaine sinistreuse qui s'appelle Olivia, dite la Grégoire. D'accord? Elle a été là entre 2013 et 2014, notamment. On retrouve dans tous ces gens-là le Gérard, celui dont je vous parlais, l'archer du roi Clé, bien évidemment, qui protège tout ça. Il se trouve que le gouvernement, vous savez, les sinistroses, ont pris leur distance avec eux parce qu'il y a eu énormément de condamnations. Ils ont créé des faux comptes, ils ont tenté de manipuler ces gens, tout le monde et compagnie. Donc, si vous voulez, et actuellement, on vient de se rendre compte qu'ils viennent d'être, donc avec le nouveau nom, d'être engagés par la peste aux étoiles, pour justement remettre en place l'information, la véritable information, en fait ce sera de la fausse point information à venir au niveau de la peste aux étoiles. Donc je vous rappelle qu'il y a énormément de condamnations en cours concernant ce Avisa point point partenaire et que donc, ayant changé de nom, ils se sont placés au niveau de la peste aux étoiles avec Ursula, enfin, toutes les mêmes sbires derrière. Donc, c'est pour ça que vous dire, c'est toujours le même noyau de gens qui soignent leurs privilèges entre eux. Vous savez, c'est l'entre-soi. Et que le problème se situe toujours au même niveau. On se rend compte aussi que ces gens-là se sont occupés de diverses personnes. Popo, Lili, Titi, Queque. Et on retrouve, et c'est là où c'est navrant, un certain, non, je ne peux pas le dire. D'accord? Parce que là, ça me vaudrait des problèmes, donc je ne peux pas le dire. D'accord? À vous de faire vos recherches. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer justement avec cette propagande au niveau de la peste aux étoiles, parce qu'ils sont en train de préparer des coups fourrés. Donc ils sont en train de mettre à mal toute cette sévérité qui vont sortir les unes derrière les autres et de tenter de manipuler en disant que c'est faux, etc. Le coup commun, voilà. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qui va se passer avec cette propagande, parce que ça commence à nous beurrer le mou, hein, tout ça, vous êtes d'accord avec moi? Allez, hop. Donc, dites-moi, hop. Alors, dites-moi par rapport à cette propa. Attention à ce que vous marquez, les amis. Alors, si des fois. Alors, des fois, souvent, c'est Yuyu hein, qui supprime les commentaires. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Mais il se peut aussi, des fois que ce soit moi, si un mot
un mot ou un nom d'une personne, je suis obligée de l'enlever, vous imaginez bien les amis, ça nous poserait véritablement de vrais problèmes. Alors, concernant cette propagande, jusqu'où ils vont aller et est-ce qu'ils vont être stoppés? Alors, je fais appel à Madame Joron notamment, mais aussi à d'autres personnes. Alors, moi, je n'ai pas de couleur popolili, titi, peu. Chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est une personne, comme d'autres, hein, qui ont été actives. Mais réagissez, parce que là, nous rentrons vraiment dans quelque chose. Je vous rappelle, donc, comme vous l'avez compris, que tous ces gens, Valérie, Nicolas, Gérard, sont tous mêlés, Olivia, sont tous mêlés à l'intérieur. Et aussi, un certain Sylvain, très très proche du Bricaton, qui est d'ailleurs parti pour rejoindre. Parce qu'il vous annonçait aussi, chose que j'ai oublié de vous dire, depuis qu'ils sont mis au niveau de la peste aux étoiles, ils ont engagé énormément de monde sur le plan juridique. Et ils attaquent tout le monde apparemment. Voilà, sur le monde juridique. Oui, juridique, on va dire, ou judiciaire, comme vous voulez, c'est pareil. Donc, dites-moi par rapport à cette propagande, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi par rapport à cette propagande, qu'est-ce qui va se passer? Et compagnie. Alors, dites-moi vis-à-vis de cette propagande, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai la pêche, vous le savez les amis, et ça risque de encore de s'accroître, parce que je suis dans une période rituelle très importante, toujours entre septembre et décembre, chez moi, c'est la période où je travaille énormément. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Voilà, après, ce sont des codes que j'ai, donc je travaille avec ce que j'ai, et croyez-moi que c'est hyper efficace. Voilà. Donc, au niveau de cette propagande, alors, ils essaient à tout prix de mettre un système au niveau de la peste aux étoiles, de faire comme un organisme de, un organisme de renom, un organisme qui se vaudrait l'équivalent du ministère de chez nous, Sinistros, de la justice. D'accord? Ils essaient de prendre une ampleur telle pour nous mettre à mal. Ben, vous avez compris, au niveau des... il y en a un qui est parti, je vous l'avais dit, qu'il était parti en vrille là, contre tout le monde. Je pense au Hélène. Qui s'est payé la sinistrose germane là-bas. Bon. Donc, tentative de manipulation au niveau de la populace, mais je peux vous annoncer, c'est assez étrange parce qu'ils vont s'en prendre aux enfants. Ils vont essayer par... Donc, il va y avoir des campagnes de fausses informations. Alors là, je l'ai. Allons-y gaiement. Donc, il y a une tentative de fausse information au niveau des enfants. Ça pourra venir par des dessins animés, par des choses comme ça. Donc, soyez prudents, les enfants. Je pense qu'ils vont faire comme des dessins animés ou des choses pour manipuler les gamins dans les familles. Donc, je vous encouragerai, parce que là, j'ai eu mon mari qui joue un peu sur des trucs sur sa tablette. Et il m'a montré qu'il y avait des publicités, effectivement, pour moi, qui n'ont rien à faire là, dans les jeux pour gamins. Et là, ça ne marchera pas vis-à-vis de la populace, mais je vous dirais, il faut faire attention dans les jeux, vous savez, sur les tablettes ou autre chose, de ce que vous montrez aux enfants, parce qu'il y a une tentative de reprogrammation des enfants de ce côté-là. Ils vont se mettre dans une voie très importante au niveau de la peste aux étoiles, comme devenant l'élément de référence sur le plan judiciaire. D'accord? Donc là, ils vont passer au-dessus des épointas. Je vous rappelle que pour moi, depuis un autre qui était bien avant eux, qui s'appelait Barreau.zozo, d'accord, ou pour ceux, c'est des fumistes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
Tout cela, c'est pour récolter le pognon. Et pour moi, tout ce qui est Nicolas, la momie du Havre, le Gérard, en fait, tous ces gens-là, toute cette cohorte de manipulateurs, c'est pour récupérer le pognon. Alors, un jour, ils se font foutre sur la poire, mais c'est une vaste comédie. Ben, j'ai appris qu'un monsieur est impliqué dedans, pour lequel, qui est soi-disant dans l'opposition, et qui est très proche de ces gens-là. Vous commencez à comprendre? Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il aura tellement de soucis qu'à un moment donné, cet écrivain notoire, alors j'aime bien ce qu'il écrit, j'aime bien ce qu'il fait, mais je ne peux pas vous donner le nom, à un moment donné, il sera obligé de quitter ce parti-là. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Prise de décision par rapport à la populace de... Mais là, ils n'y arrivent pas. Ils essaient de prendre le contrôle, si vous voulez, comme ils ont fait, parce qu'ils ont été accusés donc de manipulation. C'est pour ça qu'ils changent de nom et de nom pour se mettre en avant, si vous voulez, au niveau de la peste aux étoiles, pour dire ça c'est des fake news alors que c'est des vraies news. Sur chaque chose, on a trouvé qu'ils étaient derrière Bricaton pour rectifier, vous savez, quand des vérités sortaient, notamment sur Briquette. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur YouTube pour aller voir plein de choses par rapport à ça. Vous ne serez pas très surpris. Donc, nous sommes bien en face de gens qui sont des ennemis et des gens qui n'ont aucun scrupule. Le tout, c'est que la populace paye la dette. D'accord? C'est la populace qui devrait payer la dette pour eux pour ne pas empiéter sur leurs privilèges. Donc, toute cette cohorte de gens que vous voyez dans les milieux médias bobos et compagnie, sont tous reliés les uns aux autres. Et pour moi, le Gérard, dit le Roitelet, l'archer du Roitelet, d'accord, est impliqué dans l'affaire à un haut niveau. Ah, on est bien, hein, entre soi, on est véritablement bien. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, nous avons une forme de fructification, mais je dirais quelque chose qui se met. Il n'y a pas d'action véritablement pour l'instant. Il y a un projet qui est bien caché concernant la population, ça nous le dit sérieusement. Une inaction, pour l'instant, ils ne peuvent pas agir parce qu'il va y avoir, pardon, excusez-moi, parce qu'avec ce nouveau nom dont je tairai le nom, donc allez prendre vos informations, les amis, concernant cette société bidon. Voilà, qui est bâti sur des réseaux. En fait, c'est pour se protéger les uns les autres. D'ailleurs, vous avez vu la dernière manipulation concernant le tribunal sur Nicolas Lenain. Oula, attention comment on va dire les choses. Voilà, c'est remis en question. Bon, c'est des vastes, vous savez, c'est des comptes d'apothicaire, bien sûr. D'accord? Je te fais, tu me fais. Voilà, je te tire par la barbichette. Nous voyons derrière les officines d'Éric Le Boulay pathétique. Donc ici, il y a une forme d'inaction pour le moment parce qu'ils vont avoir beaucoup d'éléments qui vont agir contre eux. D'ailleurs, ils voulaient créer cette société-là, voulaient créer des officines chez nos amis africains, que je salue au passage. Eh ben, ça n'a pas marché, ils se font foutre dehors, de partout. Parce que les amis, faut pas en vouloir à nos amis africains, parce que vous voyez, enfin, vous voyez, nous voyons qu'un son de cloche. Mais en local, il y a beaucoup de manipulation par des officines pareilles. Vous comprenez? Voilà. Donc, que les foutent dehors, ils ont tout à fait raison. Alors, quand je vois un certain ambassadeur passer à la télévision, il se plaint, non, je ne mange que des rations. Ben écoute chérie, il fait comme les autres, il y a beaucoup de gens en France qui mangent des rations, il y a beaucoup de personnes âgées qui mangent des rations, et elles seraient peut-être contentes de les avoir. Excusez-moi, je me lâche un petit peu, mais il y a des fois, il faut le faire. Donc, une rupture totale. Bon, là, je peux vous dire, ça ne va pas se passer simplement pour eux, hein. Il y aura une rupture totale. Dans le temps, il y aura une rupture totale, d'accord, sur le plan international, il y a bien des gens, des lobes.bis, c'est une histoire de réseau en fait, hein. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, vous connaissez l'histoire, donc c'est ça en fait, hein.
Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui va circuler, effectivement, mais il y a beaucoup de renvois dans les 22. Bienvenue aux BRICS, excusez-moi, je vous le dis, parce que grâce aussi aux BRICS, ça va permettre de foutre à mal ce genre de personnage. Tout ce qui touche, écoutez-moi les amis, tout ce qui touche à Bricaton, je vous dirai quelque chose que je suis au courant. Tout ce qui touche à Bricaton, c'est maudit. Il y a actuellement, parenthèse, je vous le dis pour vous les amis, sur les réseaux actuellement, il y a beaucoup de... moi je suis change maker, mais beaucoup de gens qui sont médiums ou quoi que ce soit, ça dérange et j'ai bien compris, nous avons bien compris ce qui est en train de se tramer. Ceci dit, il y a des gens qui sont là pour détruire tous ces gens-là, en critiquant, en humiliant les gens et compagnie. Dites-vous bien que ces gens-là sont payés par le gouverne qui ment. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des vérités sur le sujet et des preuves sur le sujet. D'accord? Donc, il faut faire attention, les amis. Il y a une remise en question actuellement de gens qui touchent de l'argent, qui voyagent beaucoup et compagnie, et ils touchent de l'argent pour mettre à mal tous les gens comme moi qui disent des vérités. Voilà, je dis juste pour l'anecdote, mais on a des preuves aujourd'hui que ces gens-là sont payés pour ça. Donc, mais comme vous êtes très intelligent, vous l'avez très bien compris sur le sujet. Bon, on passe, retourne à nos ouailles. Donc, concernant, pourquoi ça me parle des gamins? Alors, ils vont essayer de manipuler les écoles. Pour moi, le diable dont je vous ai parlé hier, à savoir le Daniel, vous savez, le Cré point point Zinski, ça fait partie des mêmes valeurs d'un ensemble de gens, de maillons, pour tout détruire, voire même les écoles. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il manie point pull pour avoir des éléments qui se produisent dans des écoles. Pas de communication. Il n'y aura aucune communication de leur part, bien évidemment, parce qu'ils préfèrent travailler en silence dans le monde de la finance. Ah, là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, le projet qu'ils vont vouloir mettre en place au niveau de la peste aux étoiles, qui va impliquer l'Ursulette, mais aussi la Christine du temple satanique, la gardienne du temple satanique, exactement, vous aurez compris le lapsus. Donc, automatiquement, ça ne marchera pas. Mais ils vont continuer, parce que leur rôle, si vous voulez, c'est de nous faire comprendre que nous sommes coupables, nous, les franchouillards, la populace, de tout ce qui s'est passé. En fait, bien sûr, c'est eux qui ont tout manipulé pour ramasser le pognon, parce qu'ils ont tout ramassé. Vous avez compris ça? Ils ont tout ramassé pour eux. Donc déjà, il y a des blocages, je vois des instances parce qu'ils vont s'octroyer le pouvoir de la justice, c'est pour ça qu'ils veulent tout, le Bricaton, il veut couper avec la Constitution, vous savez, ils veulent détruire notre Constitution pour mettre leur jus pointis privé au niveau de la peste aux étoiles. Voilà leurs intentions, puisque là, ça sort. Alors, l'Ursulette se ramène avec sa bobine pour leur faire des grandes lèches parce qu'il y a du pognon à prendre. Sur le plan professionnel, donc c'est bien les sociétés diaboliques, hein, on le voit bien qu'ils sont bien à l'arrière, mais ça vole en éclats. Et je peux vous annoncer que, bon, là, inutile de vous le dire, mais 2024 va être chaud, à la fois pour ces sbires-là, qu'ils n'ont pas encore compris que leur cinéma était terminé. Ils n'ont pas encore compris. Donc, ils continuent dans la manœuvre. Tant qu'il y a à apprendre, il y a à apprendre. Ah, mais c'est quand même grave, hein, on arrive. Alors, même moi, je pars à la découverte d'autres individus, d'autres sociétés. Enfin, c'est quand même impressionnant sur le sujet. Donc, bon, il se peut que l'Olivia, vous savez, celle qui fait partie du gouverne qui ment, ben, ils finissent avec un bon whisky dans la gorge et qu'elle ne se réveille plus. Bon, ben, écoutez, on s'en fout, mais elle est folle dingue, tout le monde sait que c'est une alcoolo.
Voilà, donc je vous le dis, hein, ce n'est pas les bruits de couloir, c'est une réalité, association, communication. Oui, ça y est, ils vont continuer de manipuler dans la même façon qu'ils ont œuvré dans notre cher pays, parce que pour l'instant, ils sont en phase, pour ça qu'ils changent de nom d'ailleurs, parce qu'ils ont des gros problèmes. Sur le plan médiatique actuellement, plus personne ne les croit et plus personne ne veut avoir affaire à eux ici, mais pas la peste aux étoiles. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Vous voyez, attendez là, ouais, j'ai plein de cartes à l'envers ici, j'en ai qu'une au centre, c'est l'Ursulette qui est toujours au centre en se disant, non, je vais me la ramasser, je vais me prendre tout le pognon. Comme d'habitude, mais eux, ils ont beaucoup de difficultés, ils auront beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils seront comment vous dirais-je, au niveau des médias, ils seront dénoncés. Je vois d'ailleurs beaucoup de gens de l'Assemblée, enfin les DD PPTT, mais à la peste aux étoiles, le sortir leur désinformation, puisqu'aujourd'hui, il est très facile en allant sur YouYou ou d'autres réseaux. Sur le X, là aussi, de vous faire votre propre opinion, ça c'est sûr. Et là, je vois, communication, ils n'y arriveront pas, en fait, etc. Ils vont avoir, ils rentrent dans le dur, comme je dirais, des troubles, parce qu'on connaît leur façon de procéder, donc ça va pas aller pour eux. Donc, ils ont bien amassé beaucoup de pognon. Ils vont se mettre en parallèle avec le Daniel dont on a parlé hier, je le vois. Alors, il va y avoir beaucoup d'intérêt, vous allez le voir dans les temps qui vont venir, les semaines et les mois qui vont venir. Ils vont essayer de manipuler l'information et la programmer plus sur les balcons. En fait, c'est un leurre pour éviter qu'on voit et qu'on s'intéresse aux choses réelles dans la peste aux étoiles. Donc, Luc, qui n'a plus de roi, ben, ça n'a pas marché du tout et ça ne marchera pas. Et la suite non plus, mais ça va, vous allez voir, ça va se. Parce qu'il y a le fils du sort qui n'a plus d'os aussi qui est à l'arrière. Hein, je vous le dis, parce qu'on le voit les deux. Là, ici, d'un projet, voilà, ben, leur projet sera mort de toute façon à l'arrivée. Ils auront beau faire une campagne à nouveau de désinformation, mais de la même façon, avec le même processus en créant des faux comptes et compagnie, en finalité. Alors, je vous le dirai à titre personnel, souvent que ce soit sur ma boîte mail et compagnie, j'ai des tentatives de manipulation par des fausses vidéos ou par des trucs comme ça que l'on m'envoie, mais je ne tombe pas dans le panneau. Ah ben, il faut essayer de recouper les choses. Très important. Par contre, alors je vais vous dire aujourd'hui, vous savez, j'ai commis des erreurs, surtout depuis un an, en me disant non, il ne faut pas toujours écouter les cartes et compagnie, vous voyez, il faut avoir de la gentillesse vis-à-vis de l'autre, des autres. Et chaque fois que je n'ai pas écouté mes cartes, je me suis ramassée. D'accord? Donc le 32, ça marche très bien, je vous le conseille vivement. Voilà. D'accord? Donc maintenant, je regarde mon jeu, vous voyez, et après, je prends ou je prends pas. Mais si je vois que la personne est une traîtresse ou quoi que ce soit, c'est inutile. Je n'y vais pas. Donc ici, nous avons... Donc les choses s'écoulent. D'accord? Donc les choses s'écoulent contre l'Ursulette, les amis. Vous entendez bien? Les jours s'écoulent contre l'Ursulette. Bah écoutez, c'est pas mal, non? Les jours s'écoulent contre l'Ursulette. Moi, ça me va à la perfection. Ici, qu'est-ce que nous avons? Blocage. Donc, il y a quelqu'un qui devrait être arrêté et condamné, mais je le vois pas en France. Je le vois en Belgique. Pourquoi je le sais? Je peux pas vous dire. C'est comme ça arrive. Je vois les choses en plus. Donc, je vous les donne. Ça sera pas en France, ce sera en Belgique. Pour des détournements financiers de la peste aux étoiles. Ça vous parle? Bravo, j'ai vu beaucoup de gens qui œuvraient au niveau de la peste aux étoiles, des PPTT à travers la peste aux étoiles, justement, qui remontent des informations. Ouh là là, ça sent pas bon du tout. Et je pense qu'il y a des vérités qui vont surgir, mais très agréables pour nous, où on va se rendre compte.
Ils vont essayer aussi de manipuler en disant à la désinformation concernant les pays qui sont impliqués dans des FRAP.FIC et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on verra leur campagne. Et puisque j'aime bien, pour l'instant, je dis bien, Elon est à l'œuvre pour les ramasser. Ben, écoutez, très bien. Donc ici, qu'est-ce que nous avons au niveau, ah oui, j'ai vu notamment, vous savez que je suis dans la région Rhône-Alpes, du côté de Valence, et je vous dirais que le président de notre région a compris et a décidé de se sortir de certaines choses comme écolo-bobo et etc. Il n'en veut plus. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle pour nous. À vous de mettre la pression au niveau local, les amis. Hein. Faut pas hésiter. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Oui, là, je vois les présidents de région commencer à se mettre en colère. Président de région, je ne parle pas des députés pupétés qui vont parler piment à l'Assemblée dite nationale, parce que là, je ne les crois plus du tout, ni les uns ni les autres. De toute façon, quoi qu'ils disent, je ne les écoute pas. Mais par contre, là, au niveau du local, ça risque de s'enflammer clairement. D'accord, il y aura un blocage. Voilà. Et sous retour, nous aurons Happy Squirrel, ce qui veut dire l'écureuil heureux, me dit clairement que les choses reviendront à la normale, mais ça partira de la base. Je reviens sur le sujet. Je vous l'avais annoncé il y a déjà un an ou deux qu'il y aurait des arrestations au niveau de Bruxelles. D'accord? Ça s'est produit, mais ce sera pas les seuls. Il y en aura à venir parce que tous ces gens-là vont être sur la sellette. Et merci aux gens de Belges. D'ailleurs, je salue tous mes amis belges. Hein. Donc voilà, je vais dire good morning hein, pour nos amis flamands. Ça veut dire bonjour. Et voilà, donc je voudrais vous dire tout cela. Voilà, donc on ne s'affole pas. Il y a vraiment des choses en cours. Ils vont se prendre calife à la place du calife, c'est-à-dire de nous chapeauter, de chapeauter la justice. D'accord, mais ça ne marchera pas en finalité. Je vous souhaite une bonne journée. D'accord, on se fait de gros bisous tendres et on se retrouve demain pour d'autres aventures. Bye bye.